Permettez-moi de me présenter. Je suis Doudou Diène, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie, d'intolérance qui est liée. Je suis heureux de vous accueillir en tant que modérateur pour ce deuxième panel sur, je cite, « Comment déconstruire le racisme pour instaurer une culture antiraciste ». Nous avons le plaisir d'avoir avec nous, dans ce panel, des experts avec une expérience assez diverse, mais dont les travaux sont marqués par une exploration des principaux aspects liés à la question du racisme dans nos sociétés. Ce panel vise à décrypter les différentes dimensions du racisme dans les sociétés contemporaines et la manière dont elles se superposent à différentes autres formes de racisme. Il s'agit d'une dimension essentielle pour guider le travail de l'UNESCO sur la lutte contre le racisme et les discriminations. Nous ne pouvons pas avancer sur des actions concrètes sans prendre en considération le contexte actuel marqué par les luttes, les fortes mobilisations pacifiques contre le racisme et les discriminations après la mort de George Floyd et la crise sanitaire et sociale consécutive à la pandémie du COVID-19. Ce forum se tient au moment décisif où les discours de haine et d'intolérance prolifèrent. Le racisme contre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, les discriminations à l'encontre des populations autochtones, l'islamophobie, l'antisémitisme et plus largement la xénophobie, particulièrement contre les Roms en Europe, ce contexte inquiétant nous appelle à renforcer le rôle des institutions internationales comme l'UNESCO dans la concrétisation d'un agenda mondial antiraciste. C'est ainsi que je vais demander aux panélistes ici présents de se concentrer sur des réflexions et propositions sur le rôle de l'UNESCO que je suggère. Le premier point, tenir compte du contexte, notamment de deux facteurs lourds liés au racisme. Le premier que j'ai déjà cité, l'impact de l'assassinat en direct de George Floyd, c'est-à-dire la violence physique du racisme et la mobilisation mondiale des consciences pour la combattre. Le deuxième point, la multiculturalité de toutes les sociétés contemporaines, ethnique, religieux et culturel. Donc, la tension de l'identité, de l'unité et de la diversité. L'enjeu du dialogue interculturel et donc interreligieux est important. Troisièmement, la finalité du racisme, la domination, l'élimination et la marginalisation de groupes et de populations. Cinquièmement, le racisme comme construction intellectuelle, scientifique et culturelle, de légitimation de la construction identitaire nationale par l'essentialisation hiérarchique de la race, la nécessité donc de la déconstruction intellectuelle et scientifique. Et c'est là le rôle des sciences humaines, sociales et naturelles. Enfin, la prégnance et la structuration sociale, politique et économique de cette construction intellectuelle.
Je rappelle également la dialectique des causes communes profondes du racisme, avec la diversité et la singularité de toutes ses formes et expressions. Et enfin, facteur important, la profondeur historique du racisme. Chers experts, je vais commencer par poser une question à chacun d'entre vous, selon votre domaine de recherche et d'action. Je vous demande de respecter, et c'est très important, le temps de parole de 4 minutes pour chaque intervention. Cela nous permettra d'avoir ensuite le débat avec les questions posées par le public. Permettez-moi de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent saisir leurs questions dans la zone questions et réponses de la plateforme Zoom. Je commencerai par poser une question à Evelyne Ayer, professeure du Musée d'histoire naturelle, qui a développé sous le patronage de l'UNESCO, Nous et les autres, une exposition itinérante qui met en avant la réalité du racisme et des préjugés. Au croisement de l'anthropologie, de la biologie, de la sociologie et de l'histoire. Chère Evelyne, en tant que généticienne, pourriez-vous nous expliquer comment la science peut nous aider à mieux comprendre les phénomènes de racialisation et de racisme? Je vous donne la parole, chère Evelyne. Merci. Alors, merci de m'avoir invitée à participer à cette journée de l'UNESCO. Comme l'a rappelé Doudou Dienne, en fait, j'ai pu réaliser avec une collègue historienne, Carole Reynaud-Paligaud, une synthèse sur le racisme autour de plusieurs disciplines, la psychologie sociale, l'anthropologie, de la sociologie ou de l'histoire, qui nous a permis de mettre en évidence les trois ingrédients qui constituent le racisme. La catégorisation, on met des gens dans des boîtes, on les classe selon la couleur de peau, leur religion supposée, leur origine géographique. Autrement dit, on assigne l'individu à une identité en lui retirant la possibilité de choisir d'autres identités à mettre en avant, alors que nous savons tous qu'un individu est construit d'identités multiples. Deuxième composante, on établit une hiérarchie en supposant bien sûr que son propre groupe est supérieur aux autres. Troisième composante, et c'est là le plus important, je pense, à l'heure actuelle dans notre société, l'essentialisation. On réduit l'essence de l'individu à l'appartenance au groupe qu'on lui a assigné. Tu es Rome, donc tu es un voleur. La particularité du racisme est d'essentialiser des catégories dont on ne peut sortir. Tu es Rome, donc un voleur, et tes enfants Rome aussi. Et on voit maintenant très fortement l'essentialisation autour de la religion. En France, on entend « tu es musulman, donc tu penses comme ceci, tu vas te comporter comme cela ». Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, par un retour dommageable, on voit que certains groupes qui disent lutter contre le racisme reprennent cette essentialisation. D'après eux, on ne peut comprendre, penser telle ou telle chose que si on fait partie du bon groupe et si on l'a soi-même vécu. L'exemple le plus frappant est celui de la traductrice danoise choisie par Amanda Gorman pour traduire son poème lu lors de l'investiture du président Biden et qui a été récusée car non noire. Alors qu'une des caractéristiques des humains est l'empathie, la capacité de ressentir les émotions des autres. Pas besoin de vivre une expérience douloureuse pour en ressentir la douleur par l'empathie. Et l'autre grand dommage du racisme, c'est l'assignation identitaire qui, couplée à l'essentialisation, réduit l'individu aux propriétés d'un groupe en lui niant toute liberté individuelle de mettre en avant les identités qu'il souhaite. C'est la même chose dans le sexisme. Par exemple, moi, je suis une femme scientifique. Je veux avoir le droit de choisir de parler en tant que scientifique et ne pas être ramenée au fait d'être une femme. Toi, tu dis cela car tu es une femme. C'est de l'essentialisation. De la même manière qu'on va dire « toi, tu penses cela car tu es un noir ». Assigner une identité à une personne est violent. De plus, la psychologie sociale montre bien que l'on va avoir tendance à se conformer à ce à quoi on a été assigné. Un individu à qui on dit qu'il va être nul le deviendra.
Alors, la génétique a amené des éléments sur ces trois composantes du racisme. Sur la catégorisation, elle rappelle que les races telles qu'envisagées au XIXe siècle n'existent pas. Il y a très peu de différences entre les populations humaines. L'espèce humaine a toujours été faite de migrations et il y a toujours eu beaucoup de diversité dans les populations humaines. Sur la hiérarchie, génétiquement, aucune population n'est supérieure à une autre. Et finalement, sur l'essentialisation, pour ce qui est par exemple du racisme de couleur, la génétique précise bien que les gènes qui codent pour la couleur de peau ne codent que pour la couleur de peau et en aucun cas sur d'autres caractéristiques des individus, sur leur capacité ou sur leur psychologie. Bref, je pense que maintenant, nous avons tout en main en termes de connaissances scientifiques pour déconstruire le racisme. Merci Evelyne et merci de m'avoir associé à cette exposition. J'étais membre du comité scientifique. Et I would like now to call the following speaker and really recall the imperative to respect the 4 minutes because the time is very short. Je me tourne maintenant vers le professeur Tariq Modoud, professeur de l'Université de Bristol, qui développe une profonde recherche sur la dimension culturelle du racisme. Professeur Modoud, you have undertaken deep research on the question of Islamophobia and cultural racism. What is, in your view, the finality of those who foster racism discrimination in public life? Professor Minute, you have the floor, and please, 4 minutes. You have the floor. Thank you very much. I'm very pleased to be here. Well, building on what has just been said, I think one of the big intellectual advances of the last few decades in relation to racism and anti-racism has been the understanding that racism can't be understood in terms of biology or ideologies about biology. So we think in terms now of racialization. People can be racialized on the basis of their appearance, you know, black or Chinese looking or whatever it may be, but people can also be racialized on other features of their heritage, their cultural life, their community structures, and so on. And we call that cultural racism, meaning it's not just color racism, though of course it's usually connected, quite closely connected to color racism. But it means that racism has to be understood in a more complex way than what we think of as classical racism or just sort of black-white racism. And that then leads us to think about religion, how people are racialized on the basis of their religious upbringing, their religious identity, religious affiliation. And it then enables us to connect racism understood in terms of classical biologies and black and white, what we might call Atlantic or Atlantocentric racism. It allows us to connect that with European historic anti-Semitism, because here you have a religious group, the Jewish people, with Judaism, who have been racialized for thousands of years on the European continent and beyond. And it enables us to then to get to the contemporary case, the important contemporary case, to see how Muslims and their religion, Islam, is also racialized in the way that black people can be racialized or Jewish people can be racialized. And this is a very significant intellectual and political breakthrough of the last few decades that on the whole, I would say most of the world has not caught up with. Not even in my own country, in Britain, people often say, well, how can I be a racist towards a Muslim? Islam is a religion, it's nothing to do with race. And that shows the limited understanding, the old-fashioned understanding. And it also means politically that people don't take Islamophobia seriously. They don't take it politically seriously. And I would say that my own government is an example of this,
but actually the phenomenon is also true across my continent, across Europe, and in so many other places. Because not only does this enable us to understand new forms of racism and hybrid and compound forms of racism, as I say, where cultural racism and color racism go together, where Islamophobia and color racism go together, it enables us to understand those in our contemporary societies, like those of Europe, where the concept has been devised for. This is where the concept emerged, to understand the contemporary phenomena of how Muslims are treated by the rest of society. But it actually enables us to think globally in terms of Islamophobia. So we can see how Muslims are treated in India, how Muslims are treated in China, as examples of virulent and violent forms of racism, as Islamophobia today. And I think these are some very important intellectual and analytical advances with major political and social implications for the toolkit and for the anti-racism program of UNESCO. Thank you. Thank you, Professor Mudud. I would like now to say that it's important that we try to stick to the 4 minutes, because the time is very short. But I believe also that this cultural dimension is also one of the aspects addressed by Caroline Fernandez de la Hoz Zettler in her work as director of the Spanish Racism and Xenophobia Observatory. We see today diverse forms of hate speeches exacerbating discrimination against migrants, religious groups, indigenous people, and anti-Semitism. This is why it is important in our analysis to separate the universality of racism and the specificity of its forms, taking especially into account the multicultural setting of societies. Dear Mrs. Fernandez, what the collection and analysis of information on racism and xenophobia in Spain reveal about the new forms of racism today? You have the floor. Muchas gracias y muchas gracias a la UNESCO por invitarnos a participar en este foro. Yo trabajo en el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, donde nos ocupamos fundamentalmente de analizar y combatir la intolerancia hacia las personas inmigrantes en el marco de una estrategia contra el racismo y la xenofobia. Sin embargo, esto es algo muy amplio, porque las personas extranjeras que llegan a nuestros países a vivir y a trabajar pueden ser personas de color, pueden ser personas con otra religión, otra cultura. Muchas vienen huyendo de la persecución por su orientación sexual, por lo que nos enfrentamos a distintas formas de racismo. ¿Qué es lo que observamos a través de nuestros datos? Se lo voy a resumir en algunos puntos. Nosotros vemos que nuestra sociedad, según se va haciendo más plural y se convive más en diversidad, se va haciendo más tolerante. En España, la actitud positiva hacia la inmigración ha ido creciendo a lo largo de los años. Paralelamente a esto, observamos que el racismo en general se va haciendo menos aceptable socialmente, en España y en el mundo. Nadie o casi nadie dice que quiere ser racista. Sin embargo, también observamos que cuando se produce una crisis, como la crisis económica de 2008 o la pandemia de COVID de 2020, la actitud positiva retrocede. En la crisis económica, en España, pasamos de un 60% de la población que valoraba positivamente la inmigración a un 40%. Y al contrario, de un 20% que la valoraba negativamente a un 40% que la valoraba negativamente. Y conforme pasó la crisis, la valoración positiva volvió a crecer. Por tanto, también lo hemos visto en otros estudios, ante las crisis, la ciudadanía tiene miedo de perder su trabajo, de no salir adelante, de enfermar, de perder su vivienda, y busca o acepta
que se culpe a determinados grupos de población, en nuestro caso las personas inmigrantes, de las cosas que están ocurriendo. Por tanto, vemos también que la identificación del otro como diferente a la mayoría, al que se rechaza por su religión, su color de piel, su cultura o su origen nacional, está muy dentro de nosotros, forma parte de nuestra estructura mental y social. Ahora quiero darles algunos datos interesantes porque realmente con estrategias y trabajando vamos consiguiendo cosas. Nosotros participamos en el Observatorio de la Islamofobia en los medios y en ese observatorio se trabaja para sensibilizar a los periodistas para que sus noticias relacionadas con el Islam o las personas musulmanas no sean islamófobas. Desde 2017, que se publican informes, a 2019 la situación ha mejorado. De un 38% de noticias no islamófobas en 2017, hemos pasado a un 63% de noticias no islamófobas en 2019. También observamos que cuando las noticias no son islamófobas, tampoco lo son los comentarios que se hacen a esas noticias. Y otra cosa que es importante es que vemos que se va reduciendo la islamofobia más directa y más agresiva, pero permanece, es más difícil de reducir la que es más sutil y además la población no la percibe. Hemos observado también que el trabajo es más eficiente en el ámbito local, con los medios que trabajan en el ámbito local, que es donde se reduce más la islamofobia más que en el ámbito nacional. En resumen, la situación es compleja, pero yo creo que nos tiene que animar a trabajar porque sí que se consiguen resultados. Gracias. Muchas gracias, Mrs. Fernandez. The current manifestation of racism shows us indeed the complexity behind the issue. There are today new challenges that must be addressed if we wish to build an anti-racist culture that exposes the need to go into the historical depth of the diverse form of discrimination. This is exactly what proposes the analysis of Achille Mbembe, professor at the university, through a deconstruction of the ecosystem behind the racism. Cher Achille Mbembe, votre regard sur le racisme nous invite à une réflexion philosophique sur la généalogie du racisme comme technologie du colonialisme et infrastructure à un ordre mondial capitaliste. Pourriez-vous brièvement nous expliquer quels sont les enjeux éthiques du racisme pour les sociétés d'aujourd'hui, marquées par le développement technologique et exposées à la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19, mais plus fondamentalement encore, la crise environnementale. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Doudou. Et donc, pour bien apprécier les enjeux éthiques de la lutte contre le racisme aujourd'hui, je pense qu'il faut, évidemment, comme l'ont appelé beaucoup, il faut revenir à l'action. Il faut changer les choses sur le terrain. Il faut surtout les changer, je dirais, à la racine. La racine, pour l'essentiel, ce sont les esprits, d'où l'importance soulignée par les uns et les autres de l'éducation. Mais la racine, ce sont aussi des dispositifs de pouvoir. Ce sont des institutions concrètes, ce sont des écosystèmes, c'est la police, c'est la justice, les transports, le logement, la santé, l'école, les prisons, c'est la possibilité de se déplacer sans être soumis à de fréquents harcèlements, de dire son nom, d'être reconnu, d'être représenté dans les instances de décision, de pouvoir jouir d'une égale dignité, de n'avoir pas tout le temps à expliquer qui on est, pourquoi on est là et quand est-ce qu'on va déguerpir. C'est tout cela à la fois. C'est cette écologie de la vie quotidienne, à mon sens, qui est en jeu. Et donc, je crois qu'il faut revenir à ces fondamentaux.
On comprendra alors que pour ceux et celles qui subissent le racisme, comme pour ceux et celles qui le pratiquent, le racisme est une forme toxique de pollution de l'esprit. Mais c'est aussi une forme d'agression, agression physique, agression mentale, agression psychique, dont l'objectif est de fatiguer ceux et celles qui le subissent, de rendre leur vie invivable et de les plonger dans un désespoir tel qu'ils en viennent à se demander si la vie vaut toujours la peine d'être vécue. Et dans ce sens, je pense que le racisme est une violation fondamentale du droit à l'existence, du droit à la vie. Ce n'est pas une opinion, c'est un crime. Et ce doit être la base, le point de départ de la lutte contre le racisme, en tant qu'il est une forme absolument fondamentale de violation du droit à l'existence. Il y a une existence paisible et une existence digne. Et donc, deuxième point, je pense que le racisme contemporain n'est pas du tout, exactement en tout cas, celui d'hier ou d'avant-hier, celui de l'époque coloniale, celui de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, ou celui même de la lutte hier contre l'apartheid. Évidemment, il présente encore certaines caractéristiques des vieux racismes. Mais je pense qu'à ces vieux racismes sont venus s'ajouter au moins deux formes nouvelles que j'aimerais évoquer rapidement. La première nouvelle forme de racisme, c'est ce que l'on pourrait appeler le techno-racisme. Techno-racisme dans le sens où une grande partie des pratiques racistes se sont déplacées, au fond, dans des dispositifs technologiques et en particulier des dispositifs numériques. Ou si vous voulez, la grande infrastructure du racisme dans le monde contemporain, c'est évidemment dans les caméras de surveillance qu'il faut aller la chercher, c'est dans les antennes relais, c'est dans les satellites, c'est dans les algorithmes, dans les réseaux dits intelligents. Et ce tournant techno-numérique du racisme, je pense qu'il est typique de l'âge que nous vivons, qui est l'âge de la computation universelle. Il y a une deuxième forme de racisme qui a un grand avenir devant lui, c'est ce que l'on pourrait appeler l'éco-racisme. L'éco-racisme, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle chaque race doit vivre dans son habitat propre pour éviter, dit-on, tout mélange. Et donc, une perte de différence face aux forces homogénéisantes du capitalisme mondial. Je pense que ces deux formes de racisme sont un grand danger pour l'avenir. Dernier point, pourquoi faut-il combattre le racisme? Il faut résolument combattre le racisme, et je dirais, parce qu'il y va de notre survie sur la planète. Plus que jamais, nous sommes condamnés à réparer le monde. Nous sommes condamnés à le réparer afin d'ouvrir à tous la possibilité de faire monde, mais en résonance avec l'ensemble du vivant. Et donc, ceci étant le cas, c'est à une nouvelle conscience planétaire que nous sommes appelés, et je pense que des institutions telles que l'UNESCO sont très bien placées pour nous accompagner dans ce saut qui est absolument nécessaire pour maintenant et pour demain. Merci. Merci Achille, je pense que c'est très important pour l'UNESCO de bien ressaisir ce front intellectuel, parce que c'est là, sur le terrain des constructions, des concepts et des hiérarchies, que se jouent les fondements du racisme. Donc, merci de l'avoir clarifié. Now, I would like to give the floor
to Mrs. Lin Yuen Mook, Director of the Asia-Pacific Center of Education for International Understanding at UNESCO Category 2 Center, that is doing an incredible work to promote and develop education for international understanding, notably in the Asia-Pacific region. This is why I would like to ask him, to ask Mr. Lim, a question that is at the heart of UNESCO action to change mindset and its ambition to consolidate a global movement against racism. Mr. Lim, could you share with us your view about how education can better disseminate knowledge about these different forms of racism and be an instrument in the fight against discrimination and racism? You have the floor. Thank you very much, Mr. Dien, for asking me this question about the role of education in the fight against racism. I think the key to this struggle is fostering our ability to reflect upon and counteract racism. In order to do so, we need to develop, first and foremost, the ability to critically analyze the images and narratives that perpetuate and reinforce the beliefs and prejudices, constructing certain groups of people as inferior or dangerous, less human or inhuman. In order to tackle these dehumanizing discourses, which instigate the fear of others, the fear of difference, we also need to develop the ability to think from the perspectives of others, especially those who suffer from dehumanization. In short, developing the ability for critical thinking and perspective taking is crucial. In this process, knowledge of different narratives is fundamental, but social and emotional learning, such as developing empathy and a sense of belonging to a common humanity, is equally important. Based on my experiences working with teachers and practitioners, I'm convinced that we can better tackle those dehumanizing beliefs and prejudices when we have more empathy and when we underscore global citizenship. So we should emphasize critical thinking, empathy, and global citizenship in education towards a culture of anti-racism, or more broadly, a culture of peace. However, the problem is that in most countries, the state controls the education system, and therefore it tends to emphasize loyalty to the nation state more. In recent years, many countries have been strengthening citizenship education, but this citizenship education largely aims to better integrate minority groups into the mainstream society and enhance citizens' loyalty to the state, teaching for a sense of common humanity. And global citizenship remains marginal or totally lacking in many countries. So our urgent task is to reduce nationalism and ethnocentrism and strengthen global citizenship in order to place learning to live together at the center of education. I think UNESCO can make an important contribution in this regard by providing some guidelines on education and curriculum. This is a more or less general problem in education for a culture of anti-racism. We have another problem, which is much more difficult, and I can just briefly mention about it. That is how to empower the groups suffering from dehumanization so that they can participate in the society as equal citizens. Dehumanizing beliefs and prejudices
and abstract ideas, but they are based on inequalities and imbalances in power and wealth in the real world. So empowering those groups cannot be done through education alone. Education and social movements must go together to reduce inequalities in reality. And I believe the citizens of all identities and brands must fight for this together. Thank you. Thank you, Professor Lim. It's highly important that you touch on this very central issue of ignorance. Ignorance is one of these key sources of racism. And I would like now to, dear participants, nous allons maintenant nous concentrer quelques minutes à une question qui reflète de manière générale l'esprit de plusieurs commentaires du public. Veuillez noter que nous avons reçu plusieurs questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui. Mais soyez assurés qu'elles seront prises en compte dans les réflexions de consolidation de la feuille de route de l'UNESCO contre le racisme et les discriminations. Je vous propose que nous fassions un tour de table rapide sur cette question, sachant que chacun va disposer donc d'environ deux minutes de temps de parole. La question, elle est la suivante. Comment l'histoire et les analyses scientifiques peuvent nous aider à déconstruire et à modifier de manière concrète les pratiques racistes et les discriminations existantes? C'est vraiment un point très important, parce que le racisme ne vient pas du cosmos. Le racisme est une construction intellectuelle avec un impact social, politique et économique. Et donc, il faut savoir comment déconstruire ce racisme et pouvoir l'éradiquer en profondeur. Donc, je donne à chacun deux minutes pour pouvoir faire une conclusion rapide. Achille, vous avez la floor. Alors, en deux minutes... Thank you, and Caroline. Vous m'entendez? Oui. Caroline? Oui. Lim? OK. Doudou, okay. En deux minutes, Achille, donc... Achille, vous avez la parole. Si je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, il y a une première plage d'action qui consiste à changer les lois. Une grosse partie du racisme est inscrite dans les lois. Il faut déracialiser le droit. Il faut déracialiser le droit, c'est-à-dire voir dans les dispositifs juridiques et réglementaires tout ce qui contribue à accentuer la discrimination et l'abolir. Deuxièmement, il faut décoloniser la culture. Il faut décoloniser la culture, c'est-à-dire travailler au niveau des esprits, éduquer les gens, revenir à la vérité première qui est que nous habitons un seul monde, que nous en sommes tous des ayants droit et que la réparation de ce monde dépend de chacun d'entre nous. Donc, comment faire monde ensemble est une question à la fois culturelle et philosophique. Et il y a là tout un vaste champ d'action que l'UNESCO a d'ailleurs investi. Il faut continuer, troisième point, je termine, l'analyse des formes de discrimination, parce qu'une des forces principales du racisme est sa capacité à se transformer constamment. Si le racisme frappe par sa capacité à se métamorphoser constamment, nous devons renouveler constamment, nous aussi, les outils et les concepts qui nous permettent de le traquer et d'en rendre compte au fur et à mesure de ces métamorphoses. Voilà trois pistes, à mon avis, qui permettent de répondre à la question que vous avez posée. Merci beaucoup, Achille. Caroline, je te donne la parole.
Caroline, muchas gracias. Bueno, yo creo que por añadir a lo que ha dicho mi predecesor, es realmente la historia, la sociología y la ciencia es muy importante para ayudarnos a comprender el fenómeno del racismo. No solo su origen o cómo se refleja, sino también las consecuencias devastadoras que tiene, ¿no? El racismo hace que la sociedad esté menos cohesionada y haya más violencia, porque la desigualdad y la discriminación generan conflictos y violencia. Entonces, es necesario documentar lo que ocurre. Por ejemplo, en Madrid, en los meses más duros de la pandemia, un amigo médico me decía, de un gran hospital de Madrid, que el 80% de las personas ingresadas en la UCI eran inmigrantes jóvenes. Esto es inadmisible. La población inmigrante en España es del 12% y la mayor parte de la gente que estaba enferma era mayor. O sea que es inadmisible un dato de este tipo. Por tanto, necesitamos que la ciencia, la sociología, documente las cosas que ocurren y que las ponga encima de la mesa. Esto nos permite sensibilizar a la sociedad y elaborar estrategias para combatirlo. Y otra cosa que yo creo que es importante es compartir y conocer, compartir de primera mano las historias de las personas que sufren racismo y conocer su cultura, conocer su vida, conocer su origen, porque eso nos acerca y también nos ayuda a combatir el racismo. Muchas gracias. Professor Lim, you have the floor. You have the floor, Professor Lim. Thank you. Thank you, Mr. Dien, for raising the issue of history. Here again, I would like to focus on education, history. History education in most countries has been focusing on constructing national identities and promoting loyalty to nation states. History education has been also crucial for reproducing the dominant view that sees the world in two parts, the developed and the underdeveloped. All this has contributed to dehumanizing discourses of constructing certain groups of people inferior or dangerous. In order to counter this, we need to introduce different narratives in history education to facilitate critical thinking and help learners foster empathy and global citizenship by examining their own perspectives and also others' perspectives. Most importantly, we need to strengthen and reinforce in history education a worldview that emphasizes and respects plural universalities and diverse understandings of good life. Thank you very much, Professor Lim. Professor Modoud, I give you the floor. Thank you. Okay, well, it's a big task for 2 minutes, but I would say that the very first thing is for a society or a country, government and so on, to admit that there is racism. That seems so obvious, but actually, as I said very briefly in my earlier comments, a lot of people want to deny it, that there is sometimes racism. And this is particularly the case at the moment with Islamophobia, where people say, no, it's just a matter of opinion. I don't like your religion and so on. So that's the very first issue. The second issue, where I think research can help considerably, is to understand the variety of racisms and to understand which are more problematic at any one time and in any one place. Because obviously there isn't just one racism, but nor are all racisms of equal intensity and of equal oppression across the world at any one time. So we need to understand what are the ones that are the most severe and therefore where action needs urgency. Next, I would say, is we have to empower minorities.
And for me, the key concept here is the concept of recognition. We have to recognize minorities in terms of their own understanding of themselves. So earlier it was said that a feature of racism is that it ascribes identities and essentializes groups and fixes those identities on them. And it says, oh, if you're a Muslim, you think in this way and so on. I entirely agree. That is central to racism. So what we need to do is to do the reverse. We need to recognize minorities as having their own subjectivity, having their own understanding, and we need to bring that into the shared public space. And lastly, I would say, we need, having given some space to minority identities, we need to create common identities as well, that all groups can belong to, majorities and minorities and so on. And that's very important. And I think that's an essential task of multiculturalism. And if I may just say so as a slight disagreement with the previous speaker, I actually think national identities are an indispensable vehicle for creating common multiculturalist identities. Thank you very much, Professor Modoud. Evelyn, je te donne la parole. Evelyn Aya. Evelyn, tu as la parole. Pardon. Est-ce que c'est... Ah, d'accord. Donc moi, je vais dire rapidement, je vais ajouter quelque chose sur ce qui a été dit, qui est bien sûr essentiel. Moi, je pense qu'il faut bien sûr expliquer, éduquer, former, en rappelant qui nous sommes en tant qu'espèce. Les humains ont tous des ancêtres migrants et nous venons tous d'Afrique. Et ça devrait être des choses qui devraient être évidentes, que tout le monde devrait connaître. Et je pense qu'en ce sens, la connaissance peut permettre de lutter contre le racisme en rappelant le fait que nous avons une extraordinaire diversité et que nous avons tous des migrants dans nos ancêtres et nous aurons dans nos descendants des migrants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il est très important de lutter contre le racisme insidieux qui se développe sur l'essentialisation. Avec l'essentialisation, finalement, on peut créer du racisme autour de beaucoup de choses, comme c'est en train d'être le cas autour de la religion, mais comme ça a déjà été le cas. Et je pense que d'éduquer les gens à détecter ces formes pernicieuses de racisme, c'est quelque chose de fondamental. Et pour finir, bien sûr, je veux souligner tout ce que fait déjà l'UNESCO, tout en patronnant, par exemple, l'exposition « Nous et les autres », des préjugés au racisme, mais aussi en organisant des masterclass absolument extraordinaires. Merci. Merci beaucoup, Evelyn. Donc, nous allons, je vais donner quelques réflexions de conclusion avant de terminer la séance. Et vraiment pour souligner le rôle fondamental de l'UNESCO. Nous avons affaire à un iceberg. Le racisme est un iceberg. Ce que nous voyons et que nous combattons souvent, ce sont les discriminations, c'est-à-dire les manifestations extérieures qu'il faut combattre par la loi, la justice, le droit, l'économie. Mais il faut aller aux racines profondes pour pouvoir déraciner le racisme. Et ces racines profondes se trouvent sur le terrain intellectuel et scientifique. Quand on parle de déconstruire, cela veut dire qu'il va falloir comprendre que nous avons affaire à un phénomène qui a fait l'objet d'une construction massive où les sciences humaines et sociales ont été mobilisées et les sciences exactes aussi, les naturalistes et autres. Et que tout cela s'est exprimé sur un terrain qui est encore un terrain sensible qui nous concerne, les constructions identitaires, raciales, religieuses et culturelles. Dans des sociétés multiculturelles, qui donc sont naturellement des sociétés sous tension. Et donc il faut garder à l'esprit la phrase et la réflexion de Bertolt Brecht qui disait que le ventre est encore fécond, d'où est sortie la bête immonde, celle qui a produit le nazisme. Cela veut dire que le rôle de l'UNESCO est absolument central pour que les sciences humaines fassent ce travail de fond et oblige les États, amène les États membres, les accompagne, les scientifiques également. Il faut que l'éducation
fasse en sorte que ce travail scientifique se reflète dans les programmes d'éducation. Et il faut que la communication puisse développer tout ça et le faire savoir. Donc, l'UNESCO, à mon avis, je viens de l'UNESCO, je suis au droit de l'homme maintenant, joue l'UNESCO son rôle est absolument central et capital. Et se rappeler que le racisme tue. Non seulement la vie avec George Floyd, mais l'Holocauste, Srebrenica, les Rohingyas. C'est-à-dire que ce phénomène est un phénomène qui nous interpelle en profondeur et il va falloir que l'UNESCO s'y engage de manière absolument massive. Donc je vous remercie tous d'avoir participé à cet exercice et nous allons accompagner l'UNESCO dans ce défi qui lui a été donné. Merci encore et à bientôt. Thank you.